Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette nouvelle leçon de l'école du dimanche. Alors, nous avons fait une pause dans l'histoire de la vie de Jésus pendant cette période de vacances et nous en avons profité pour parler un petit peu de deux grands réformateurs du XVIe siècle, donc Martin Luther et Jean Calvin. Et puis aujourd'hui, comme c'est la reprise des cours de l'école du dimanche, eh bien nous allons revenir à la vie de Jésus. La dernière fois, nous avions lu ensemble dans l'évangile de Marc l'histoire de la mort de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Donc nous avions vu comment Hérode avait tué Jean-Baptiste. Hérode était mécontent des reproches que Jean-Baptiste lui avait faits. Il l'avait donc fait emprisonner et un jour, eh bien, il avait fait tuer. Je vous laisse retourner à la vidéo précédente si vous voulez bien vous en rappeler. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé après et nous allons faire une lecture dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 14, à partir du verset 13, page 745 dans les Bibles Ésaïe 55. Matthieu 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Cette histoire que nous venons de lire se passe en Galilée. Donc la Galilée, c'est la région dans le nord d'Israël. C'était la région où Jésus avait grandi. Donc Jésus, quand il entend la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, il veut être seul quelques moments avec ses disciples, mais il ne va pas pouvoir puisque les gens le suivent. Et à ce moment-là, Jésus, quand il voit la foule, il décide qu'il va prendre soin d'eux. Jésus, il est dit, a compassion de cette foule. Dans Marc 6, au verset 34, il est dit: Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. On voit que Jésus avait toujours à cœur de prendre soin des gens. Jésus n'était pas indifférent aux gens qui étaient autour de lui. Il n'était pas là juste pour annoncer un message et puis une fois qu'il avait donné ce message, ben il ne s'intéressait plus aux gens. Non, Jésus, il s'intéressait profondément aux gens. Il prenait soin d'eux. Il comprenait les besoins des gens et il ne veut pas les laisser tomber, comme on dit. Donc, une fois de plus, Jésus, il va s'occuper des gens, il va guérir les malades, et puis surtout, il va les enseigner, parce que c'était ça le plus important. Jésus donc va parler pendant un long, long moment, et puis il va venir le soir, et vient à ce moment-là un autre problème. C'est que ces gens, eh bien, ils ont passé toute la journée à écouter Jésus, et ils n'ont pas mangé. Et donc, ils ont faim et ils ont besoin de nourriture. Alors, les disciples, ils veulent renvoyer la foule pour que les gens aillent s'acheter de la nourriture, ce qui est logique et normal. Mais Jésus, lui, a décidé de prendre aussi soin
de ce problème de la nourriture. Et on voit, on a lu ensemble, comment, à partir d'une toute petite quantité de nourriture, de 5 pains et de 2 poissons, donc ça représente vraiment pas grand-chose, c'était tout ce que les disciples avaient pu trouver, eh bien Jésus, il va faire un miracle, il va faire cette multiplication des pains et des poissons, et il va nourrir cette grande foule où il y avait 5000 hommes, sans compter, qu'il dit, les femmes et les enfants. Donc on peut compter qu'il y avait au moins le double ou le triple de gens dans toute cette foule, certainement 15 000 personnes, voilà, quelque chose comme ça, c'est vraiment une foule énorme. Et Jésus, il a pu tous les nourrir à partir de 5 pains et de 2 poissons, donc une toute petite quantité de nourriture qui aurait normalement juste pu servir à nourrir les disciples et Jésus, et encore, ça n'aurait certainement pas été beaucoup même pour eux. Jésus donc, nous le voyons, une fois de plus, faire un miracle extraordinaire. Alors on peut en rester là, se dire, c'est merveilleux, Jésus, il est capable de faire des grands miracles, mais quel enseignement est-ce qu'on peut en tirer pour nos vies? Alors la première chose, on l'a déjà dit, mais c'est important, c'est que Jésus nous aime. Jésus, il nous aime, il connaît nos besoins, et il prend soin de nous dans tous les aspects de notre vie. Alors bien sûr, l'aspect dont Jésus prend le plus soin, parce que c'est le plus important, c'est notre âme. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui, nous délivrer du péché. Et c'est pour cela aussi qu'avant de faire cette multiplication des pains, Jésus a passé tant de temps, tant d'heures, à enseigner la foule, parce qu'ils avaient besoin d'être guidés dans leurs âmes. Mais on voit aussi que Jésus, il prend soin des aspects matériels. Il a guéri les malades et maintenant il va nourrir les gens. Jésus, il connaît tous nos besoins. Nous avons déjà dit qu'il est notre bon berger. Nous l'avions vu dans les études précédentes. Et ça veut dire qu'il fait attention à tout ce dont nous avons besoin. La nourriture, les vêtements, le logement. Et dans toutes nos circonstances, nous savons, nous avons l'assurance que Jésus est là et qu'il prend soin de nous. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Jésus est capable de faire beaucoup de choses avec très peu de ressources. Nous, pour faire des choses importantes, on a besoin de ressources importantes. Quand les hommes veulent faire un grand projet, ils sont obligés de réunir beaucoup d'argent, de réunir beaucoup de matériaux, par exemple pour construire un bâtiment, de rassembler beaucoup de gens pour faire un grand projet. Jésus, lui, il n'a pas besoin de tout ça, parce qu'il est Dieu. Il a eu juste besoin de ses 5 pains et de ses 2 poissons pour nourrir toute la foule. Les disciples se disaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Qu'est-ce qu'on peut ? On ne peut pas nourrir une foule avec 5 pains et 2 poissons. Et ils avaient raison, humainement. Mais Dieu, il est capable de transformer de faibles ressources en une grande abondance. Dieu a l'habitude de faire cela. Les deux dernières semaines, nous avons vu la vie de Martin Luther et la vie de Jean Calvin. Et c'est impressionnant de voir comment Dieu a utilisé des gens tout simple, pour transformer toute l'Europe. Parce que ces deux personnes, bon, ce n'est pas les seuls réformateurs, mais les réformateurs au début n'étaient pas très très nombreux, c'était quelques personnes, et Dieu les a utilisés pour transformer la vie de milliers, de centaines de milliers, de millions de personnes. Donc on voit que Dieu, il est toujours capable, à partir d'un très petit départ, de faire des choses extraordinaires. Et ça doit nous donner de la confiance parce que il ne faut pas qu'on se dise « moi je suis petit, je ne suis pas grand-chose, eh bien, je ne peux pas faire grand-chose, donc c'est comme ça, voilà, je suis tout seul et je n'arriverai pas à faire de grands miracles ou quoi que ce soit. » Dieu est capable de nous utiliser pour faire de grandes choses, et nous devons utiliser
nos ressources, même si elles ne sont pas très impressionnantes, pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu, après, il va bénir tout cela et il obtiendra de grands résultats. Et puis, pour terminer, un aspect très pratique, on voit dans ce passage que Jésus, il est contre le gaspillage. On voit au verset 20 que Jésus, il a fait ramasser les morceaux et les disciples ont emporté 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. On a tendance, naturellement, quand on a beaucoup de choses, à gaspiller. À se dire, bon, de toute façon, il y en a plein. Et ben, ce qui reste, on laisse tomber, on jette à la poubelle. On est dans une société aussi qui pousse à ça. On parle de société de consommation. Et voilà, on jette plein de choses. On jette de la nourriture, on jette des objets qui pourraient encore servir. Et ce n'est pas une bonne attitude. Jésus, lui, il a fait ramasser les restes parce que c'était de la nourriture qu'il avait donnée à la foule et il ne voulait pas que ça soit simplement jeté. Ça pouvait être mangé et donc ça devait être conservé. Donc ça, c'est aussi un enseignement pour notre vie de tous les jours. Dieu ne veut pas que nous soyons des gens qui gaspillent. Cette histoire donc que nous avons vue, eh bien, elle nous encourage une fois de plus. Elle nous encourage à mettre notre confiance en Jésus. Elle nous encourage à mettre nos ressources au service du Seigneur pour qu'il puisse les utiliser et faire peut-être de grandes choses avec nous. Nous savons que le Seigneur tient toutes choses dans ses mains. Voilà, donc cette leçon se termine. Je vous souhaite à chacun une très bonne semaine. Bon courage pour tout ce que vous avez à faire pour l'école, et puis encore dans le confinement. Que Dieu vous bénisse avec vos familles. Bonne semaine et à dimanche prochain.